Bon, comme vous pouvez voir à mon visage, j'ai combattu aujourd'hui. Le bif a pris un coup là. On attend le brancardier. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? La famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours que je snap pas, que je suis pas trop actif. Bon bah, vu mon visage, vous vous doutez bien. Hein. Vous vous doutez bien. Hein. Je me suis fait opération. Bon, comme vous voyez à travers mon visage, strappé, attelle. Comme vous vous doutez bien, bah, je me suis fait opérer. Hein. Je pensais vraiment que j'allais rester comme ça, hein, bande de petits malins. Hein. Ah, ceux qui vont dire reste comme ça, avec ton nez tordu, là, comme un sorcier du. Ah. Non, en vrai, j'aurais eu des complications, la famille. J'aurais eu des complications. Le soir, j'aurais ronflé, j'aurais eu du mal à respirer, j'aurais peut-être pu attraper des infections et tout. C'était impossible de rester comme ça, la famille. C'était impossible. Et du coup, voilà, je me suis opéré il y a quelques jours là. J'ai pas snappé et tout parce que vas-y, laisse tomber, j'avais pas la tête à ça. Et puis voilà. Et je vous vois venir. Hein, parce que j'ai croisé des personnes qui m'ont dit, ah, t'as refait ton nez, t'as refait ton nez. Non, 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 j'ai pas refait mon nez. J'ai juste remis mon nez correctement en place. Tout simplement. Voilà. C'est pas de la chirurgie esthétique, c'est de la médecine. J'ai juste remis mon nez tout droit, tout simplement. Franchement, pour le coup, je regrette pas d'avoir attendu d'être rentré en France pour me faire opérer. Hein. Parce que franchement, l'opération s'est archi bien passée. Le chirurgien, rien à dire, au top, nickel, professionnalisme, comme ça. J'ai même pas mal, l'équipe. C'est comme si j'avais rien. Peut-être que j'aurais pu rester comme ça. Mais en vrai, non, les gars. On a mis ça en place, comme il se doit, grâce à Dieu. En attendant l'équipe, là, je vais aller récupérer un lit, un petit lit, bah, juste avant de me faire opérer. Ça d'artiste, j'étais parti pour acheter un lit, etc. Parce que je voulais changer de lit. Il faut laisser le temps de cicatriser, il faut laisser le temps que ça se répare bien comme il faut. Et puis la prochaine fois, on sera plus vigilant, tout simplement. Mais non, une fois que le lit sera bien consolidé, il sera comme avant. Et comme je t'ai dit, la prochaine fois, il faudra être plus vigilant. Il faudra faire plus attention. Merci frérot, Amine. Merci frérot.